Il est 19h. Le public algérois est au rendez-vous pour fêter la journée internationale du jazz, fixée au 30 avril et initiée par l'UNESCO en 2011. La salle Sierra Maestra, longtemps fermée, a été choisie par l'Office national de la culture et de l'information pour abriter cet événement. La musique jazz est à l'honneur ce soir avec une pléiade d'artistes. Rida Morah, Aminos, Hind Bukla, Linda Blues ont réussi avec leurs musiciens à faire voyager le public à travers différents airs musicaux pour converger enfin dans l'univers jazz. Le jazz est un process de production musicale très très riche. Donc en tant qu'Algérien, j'estime que c'est très très important pour moi de célébrer cette journée. Enfin, la célébrant en jouant de la musique, mais aussi en écoutant ce qui est en train de se produire dans cette musique. La musique jazz est considérée aujourd'hui comme un facteur culturel d'unification des peuples partout dans le monde. Et l'Algérie n'est pas en reste de ce style musical. Très heureuse de participer à cet événement fait par l'ONCI, qui est un événement pour célébrer la journée du jazz international. Ça se passe dans le monde entier et ça se passe aujourd'hui ici, et on est là pour célébrer le jazz avec tout le monde. La célébration de la journée internationale du jazz intervient à quelques jours du mois du Ramadan. Un avant-goût des spectacles et scènes prévues pour l'occasion. Les salles Sierra Maestra et l'Afrique sont enfin prêtes à accueillir le public, au bonheur des Algériens.